Allez, contact, on se tire. Hop, merde. Oh. T'es sûr qu'elle marche bien ta bagnole? T'appuies sur le frein? Oui, j'arrête pas. Ah, c'est bon, c'est parti. Tout le monde me dit, oh, t'es en voiture avec ton père, est-ce que tu veux pas refaire la scène de... Pour Rabbi Jacob, putain, les mecs. Ah non, ça sûrement pas. Ah ouais, moi non plus, j'ai pas envie de le faire. Tu me vois, tu sais, en bagnole te dire, Salomon, vous êtes juif. Ouais. Arletty disait un truc, elle voulait pas redire atmosphère. C'est vrai? Ah, ben, ah ouais, elle voulait pas. Parce que bon... Donc c'est clair et net, on ne fera pas la scène de... C'est non. Quoi déjà ce film? Non, ben d'abord, je m'en souviens plus. Voilà. Non, ce que j'aimais bien, c'est l'histoire, comment s'est passée l'audition pour le rôle. Quand on rit, que t'es sorti avec le scénar et que t'as lu le scénar. Dans le métro, tu pensais quoi? Ah oh ben, je disais, ça doit être un drôle pour 2-3 jours, quoi. Ouais. Puis je commençais à feuilleter la brochure, puis je voyais marqué Salomon, Salomon, ça part partout, il y avait Salomon à toutes les pages. Ah là, j'ai eu un frisson, je me suis dit, oulala, mais c'est un rôle qu'on me donne. Et avec deux funesses, tout le temps presque avec deux funesses. Oh là là. Ah oui, il va falloir s'accrocher. Quand Gérard Houry m'a fait venir dans son bureau comme ça, et là, quand même, la première question qu'il m'a posée, c'est, dites-moi, Henri, c'est moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes juif? Et là, pensant avoir, enfin essayant d'avoir de l'humour juif, je me suis dit non, mais je lui ai répondu non, mais si le rôle est conséquent, ça peut s'arranger très vite. Il a eu un petit sourire, il disait, on comprenait parce que vous parlez en hébreu, mais je suis persuadé que vous allez y arriver. Silence ! Rabotan ! שלושה אנשים שנכנסו בבית כנסת שלנו לא באו להתפלל. הם רוצחים! הם רוצחים להרוג רבי יעקב ורבי סלימן. תעזרו לי להציל אותם. בררו את הרוצחים! Le passé, je ne le regrette pas, j'en suis même satisfait, même fier parfois. Le futur m'importe pas, je ne sais pas ce qu'il sera. Donc la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est le présent, qu'est-ce que je fais en ce moment? Et comment je vais le faire? Et est-ce que je vais bien le faire? C'est le présent qui me... Je vis dans le présent. Je ne vis plus dans le passé, j'en ai des souvenirs. Mais puis l'avenir, Oui, tu vois ce que tu veux dire. Tu veux dire par là que tu te reposes pas sur tes lauriers. Que t'es voilà, plus dans le présent voilà, et que c'est les voilà. Projets à venir qui t'intéressent plus voilà. Que qu'on te rabâche, que t'as tourné dans ci et dans ça. Je veux dire même que très fier. Les souvenirs sont le seul héritage que nous laisse le temps qui passe. Oui. Pas mal ça. Ouais. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Ben si. Mais pas toute votre famille. Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. De savoir que tu as laissé à des gens un bon souvenir, c'est plutôt flatteur. Mais papa, après toi... Le déluge. Non, mais après... Bah, tu vois que t'es prétentieux. Non, mais... Henri Guimet. Ah, je suis vraiment très doué. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle.